ان شاء الله. اسم شهاب اللي مطروح بقوه في الفتره الاخيره في محيط فريق شبيبه القبائل، هل انت على علم بهذا؟ اكيد على علم بالموضوع، يعني جيتي كونتاكتي اترافير الانترميديير محسوب على جيسكا. Je vous cache pas, je viens juste de me libérer après 15 mois de travail avec le CSS, le club sportif soatien. C'est un grand club qui est connu partout, même en Algérie. Alors, je viens juste d'être. Je suis libre. On m'a contacté, parce que pour moi, c'est un grand club. La GSK, c'est un grand club. L'Algérie, c'est une grande nation de football. Je ne vous cache pas, je suis tenté à avoir cette expérience, ma GSK. J'ai dit oui, c'est le principe. Surtout qu'il y a aussi un challenge sportif, soit à l'échelle locale, le championnat algérien, le même à l'échelle africaine. Je sais aussi que c'est un club qui joue pas le comparse du championnat d'Algérie. C'est un club qui veut être déterminant. Alors, ce sont des challenges sportifs. Il y a un exemple en considération sur le plan de carrière mondiale. J'espère dans les 24 heures un accord au niveau du salaire. Normalement, Inch'Allah, si on trouve une solution, on entamera cette expérience amalienne. Inch'Allah. Coach, إذن نفهم من كلامك أنه أنت في اتصال مباشر مع الإدارة وليس عن طريق وزراء أو ما يشبه. Personnellement, il préfère ne pas citer son nom. C'est un intermédiaire qui n'est pas un agent ni rien. C'est quelqu'un qui je dirais, il représente officiellement, pas officiellement, le bureau du président, M. Hamas. Alors, c'est comme si on lui a délégué. Avec moi, vu on a eu un contact avant, c'est un responsable sportif, on a eu un contact ensemble avant, vu qu'il me connaît bien, il a mon numéro, il a un background qui m'enroule en l'IAN, alors il a pris la charge, mais il représente le bureau de la GSK, c'est tout. إذا تمت إن شاء الله يعني الأمور في طريق صحيح، نقدر نقول أنها أول تجربة احترافية بالنسبة لك كمدرب خارج تونس، هل أنت مستعد لهذه المغامرة الجديدة؟ لكل حديث مقال
ان شاء الله. بالمناسبه كوتش، الحقيقه بروفايلك كمدرب تبارك الله عليه ما فيش كلام، لكن الجمهور الرياضي هنا في الجزائر لا يملك معلومات كافيه وشافيه، ممكن تعرف علي على اهم محطاتك التدريبيه اذا ممكن؟ شبيبة القبائل تحت المركز العاشر في سلم ترتيب البطولة الجزائرية، يفصلها 16 نقطة كاملة عن صاحب المقدمة اتحاد الجزائر. هل ترى أن شبيبة القبائل بإمكانها العودة واحتلال إحدى المراكز الثلاثة كما فعلت الموسم الماضي؟ شوف parce que lorsqu'on parle de la GSK, même de la CITA, tout de suite, on a là le 13 points. Allô? Non, même si GSK, le média est loin de 13 points, mais le championnat est encore loin, car vous dites, la durée du championnat est qui use. Il y en a des clubs qui s'usent. Il y a il y a des aléas, il y a des tournois, le championnat, il y a partout un grand club, il y a avec des ressources, et là je me dis un sursaut. Et la GSK c'est un grand club qui peut faire ce sursaut n'importe quel moment. J'ai vu que la GSK
ديفونسيف سي لو بلان سي لو بلان ديفونسيف لا جي اس كي بروت تروجو تاعك مي سي لو بلان اوفونسيف لا جي اس كي لا ماركي كو كاتر بوت اي سا سي بول باسكو سي اون بارل دو لو ماتيير دو فوتبول اي بور غاني لي ماتش فو ماركي بلوس دو بوت كو بيس alors la GSK elle est bonne sur le plan défensif mais ça nous manque quelque chose sur le plan offensif pour marquer plus de buts. Là on doit parler d'un équilibre sur le plan jeu, on doit parler d'une efficacité offensive. Ça dépend, est-ce que c'est une efficacité au niveau du joueur ou au niveau de l'animation, on verra ça plus tard, mais il faut trouver cet équilibre pour que la GSK recommence à gagner ses matchs. Et du coup, quand t'as un constat réel, t'as un constat correct, tu auras les moyens techniques, voire même administratifs, de t'attaquer les solutions et du coup attaquer les solutions. Voir que l'on a le sursaut et tu peux aller voir s'il y a une procédure à faire, c'est qu'on doit procéder étape par étape. La première étape, c'est ce constat. La deuxième étape, c'est trouver des solutions puis les mettre en application, Inch'Allah. إذن كوتش يعني نفهم من خلال كلامك ومن خلال اطلاعك على أخبار شوية قبل أنك متحمس لخوض هذه التجربة، فلما لا؟ نعم مطالع على مسيرة مواطنك مدرب سريع غيزان معز بوعكاز، هل أنت أيضا أقول متحمس للسير على نهجه وتحقيق يعني نفس النتائج المرضية التي حققها لحد الآن؟ نطوي صفحة شبيبة القبائل، ننتقل إلى الحدث اللي حيكون إن شاء الله هذا الأسبوع. المنتخب التونسي تنتظر مباراة صعبة هنا في الجزائر أمام المنتخب الليبي، كيف التونسي